Tout le monde, c'est Blacky, on peut jouer, donc je vous retrouve pour une petite vidéo très rapide. Alors oui, c'est vrai, j'en ai pas fait du tout. Pendant les vacances, c'est vrai qu'on est déjà à la troisième semaine, je crois, sans que j'en ai fait à peu près, voire deux. La raison, en fait, du pourquoi, c'est tout simplement que bah, il n'y avait pas trop de contenu non plus à faire. Et puis en même temps, je travaille beaucoup sur mon site, donc j'ai plus la tête à ça et la motivation à ça plutôt qu'à faire des vidéos. Surtout que, bon, apparemment, il n'y a pas de gros monde non plus. Qui est là, enfin bien sûr c'est les vacances donc bien sûr il y a moins de personnes et donc je vois quand même moins de commentaires et moins de personnes qui me demandent de faire tel ou tel truc à la limite donc peut-être que ça aussi un petit poids bref en tout cas on se trouve aujourd'hui pour une rapide en fait mise à jour de T6M donc hein, comme je vous rappelle qui est produit par Opération 2 et Lab06 et donc en partenariat avec For Delta One rien que pour les membres hein, bien sûr on est bien d'accord For Delta One n'y est absolument pour rien. Donc une mise à jour qui est sortie en fait le 2 août. Je sais pas si vous avez vu, j'avais mis un bulletin sur la chaîne, sur Facebook et Twitter, il y a 2 jours, en disant voilà, qu'il y avait une nouvelle mise à jour qui était sortie. Bon en fait cette mise à jour, on va dire, ne supporte, alors je mets que entre guillemets parce que je veux pas dire par là qu'il n'y a pas eu de travail ou que c'est du foutage de gueule, mais je veux dire il n'y a pas 40 millions de choses. Donc en gros pour l'instant il y a la prise en charge, voilà, on va dire ça comme ça plutôt. La prise en charge du DLC Vengeance. Alors, bon, personnellement, que je ne joue pas à Black Ops 2, donc je ne connais pas ce DLC. Je suppose que c'est le dernier sorti en date. Je ne suis même pas renseigné. Ouais. En tout cas, pour ce qui est dit aujourd'hui, enfin, sur ce post, hein, tout simplement, salut. Nous avons enfin fini, en gros, ce qui est une mise à jour assez propre pour le DLC 5 en accord avec hein, la sortie des DLC seulement donc en match privé toujours donc on peut le télécharger depuis l'info H ici alors je le mettrai sur un lien méga ou en lien torrent enfin ça dépendra ouais je le mettrai en lien méga à la limite non je vais laisser en torrent quand même oh, je mettrai les deux je mettrai les deux en tout cas voilà je vais quand même mettre les deux donc le point torrent et le méga en tout cas il n'y a toujours pas de statut on va dire pour une version avec des serveurs dédiés ou autre par contre une nouvelle version du site est en train d'arriver qui which oui en fait j'ai même pas eu le texte avant je le traduis à la volée which will feature modifications for both the first Black Ops as well as the future series alors apparemment il y aurait peut-être du coup Black Ops 1 et Black Ops 2 en fait qui seraient traités donc sur ce site on va bien voir. Donc apparemment cette mise à jour peut crasher plus que celle d'avant. Donc déjà je sais qu'il y a pas mal de personnes qui crachaient avant. Alors bon. Mais apparemment ça devrait pas vous empêcher de jouer. Propre. Enfin, je veux dire en fait ça, apparemment ça cracherait peut-être que en jeu, ça cracherait pas au lancement, je sais pas. Par contre maintenant, le zombie ne peut plus être lancé par T6MMP, vous savez. On avait fait hein, un petit raccourci, créer un raccourci et acheter en cible le zombie, je sais plus ce qu'on a acheté, le tiré ZM, un truc comme ça. Le truc, c'est qu'on peut plus parce que Treyarch a donc en fait enlevé ce petit, on va dire, cette opportunité de changer de mode comme ça directement dans le lien. Apparemment, enfin, ce qui est écrit là, il dit peut-être, sûrement à cause de nous, car nous l'utilisons à notre attention. Donc bref. En gros, maintenant une petite information supplémentaire. Toutes les personnes qui disent en fait qu'il faut la version Skid Row et les mises à jour de Skid Row pour jouer à T6M en fait sont complètement des idiots en fait simplement. And should be shot on sight. Moi ça va être tiré à vue je crois bien. Donc en gros, vous n'avez pas spécialement besoin d'avoir la version Skid Row de Black Ops 2. Ainsi que ces mises à jour pour pouvoir jouer à T6M, il vous faut juste une version anglaise de T6M, n'importe quelle est la team qui l'a pirate, enfin qui l'a craqué. Voilà. Cette petite précision en fait pour T6M, donc voilà, en fait, une fois que vous avez téléchargé le torrent, simplement vous prenez tous les fichiers à l'intérieur et vous êtes simplement donc, dans vos jeux, enfin là où vous avez mis donc T6M et vous faites un copier-coller en fait, hein, simplement un truc tout con. Vous remplacez les fichiers. Tac, je vais essayer de le lancer en live, écoutez. Je vais même pas essayer avant parce que bon, je suis vraiment venu en fait pour faire une vidéo d'information, voilà, une vidéo en temps de copier-coller quelque part. Ah nickel, en plus il se lance en petit comme j'avais mis avant. Donc apparemment ça a l'air de se lancer. Peut-être qu'il faut les maps, en tout, enfin les DLC en tout cas, moi je les ai pas, donc bien sûr, il faudra que vous les téléchargez si vous n'avez pas les DLC. Mais bon, je pense que il y en a déjà pas mal d'entre vous qui l'ont.
Ensuite, maintenant que ça finit de se lancer, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur les forums de Fort Delta One, il y a un projet qui est revenu on va dire, à la vie. C'est bien Black Ops 1, donc T5M. Bon, voilà, comme ça a pas duré longtemps. T5M, donc, qui est donc revenu on va dire, à la vie. Enfin, il n'a jamais été vraiment mort, mais c'est vrai qu'il avait été laissé peut-être un peu de côté, ou en tout cas, peut-être. Il n'y avait pas assez d'informations qui sortaient à ce propos, ce qui faisait croire à la communauté et même à moi, hein, franchement, que T5M n'allait jamais voir, enfin n'allait pas voir jamais sortir, en fait, tout simplement. Apparemment, c'est l'inverse hein, de ce qu'a nous prouvé Marshall. Il a fait donc une petite vidéo il y a à peu près voilà, le 30 juillet déjà. J'ai pas vu ça non plus, à vrai dire, c'est vrai que je suis pas revenu dessus sur Fort Delta One, mais bon, voilà, on peut voir, hein, il est sur T5M avec. Alors, attendez, je vais baisser le son. Tac. Il n'est pas avec des bots. Il est avec des. Je sais pas qui. Je sais pas avec qui il est. Je crois que c'est avec XNP, un truc comme ça. Peut-être que c'est NTA, peut-être pas. Apparemment, XNP est un compte public. Donc, ne vous dites pas que c'est NTA parce qu'en fait, il utilise le même compte en fait dans sa vidéo de présentation de Warfare 2. Il utilise le même compte. Donc, apparemment, XNP, c'est juste un compte public. Donc, ça ne veut pas dire que XNP est égal à NTA. Donc. Rapidement. Enfin voilà, en fait, voilà, rapidement, tout simplement pour T5M. En ce qui concerne, donc il n'y a toujours pas de date de sortie. Donc en gros, je vais rapidement vous traduire le message de Marshall. Donc nous y voilà, une petite vidéo du gameplay de T5M. Je veux aussi laisser un message ici. En gros, vous savez, il y a certaines personnes qui sont venues ici pour dire tout simplement que, enfin, pour dire, en se prenant, on va dire, comme des dieux, et pff, dire de la merde. Moi, c'était la traduction, hein. Et dire de la merde en fait que T5M est un fake, que NTA l'a juste créé pour attirer du monde, etc. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont spammé ça en mode NTA, t'es chiant en gros, tu as juste fait cette section pour attirer du monde, etc. Donc, apparemment, hein, comme voilà, veut le démontrer Marshall, eh bien non, tout simplement, voici la preuve que ce projet n'est pas un mensonge. Donc ne soyez pas comme un. N'agissez pas comme des idiots. Réfléchissez deux fois avant de parler. C'est pas parce que quelque chose ne marche pas bien, ou qu'il n'y a pas d'update, ou qu'il n'y a rien en fait, ou que voilà, que c'est simplement pas sorti, que ça vous donne le droit simplement de n'être pas respectueux en gros, envers le. De ne pas être respectueux envers le développeur qui fait ça. Donc fin du message. J'espère que vous allez apprécier cette petite preview. Play with Demi-Fire and Random. Ok, donc en gros, ils ont joué avec deux personnes, enfin avec une personne, donc un pote à lui sûrement, et une autre personne complètement random. Bien sûr, ne faites pas, ne lui m'envoyez pas de message privé, etc. Le client n'est pas public pour l'instant, donc ça sert à rien. En ce qui concerne le download, vous regardez les topics par là, les premiers en général, ceux qui sont épinglés, pardon. Et vous devrez retrouver votre bonheur dans quelques jours, semaines, voire mois, hein, bien sûr. Voilà, tout simplement. Voilà en fait là pour un petit peu la mise à jour. Alors rapidement en fait pour Warfare 2. Bon c'est vrai que j'ai un peu laissé le projet aussi à côté. Enfin je vous ai dit, Fort Delta One, je me suis un peu éloigné. En ce qui concerne donc le Warfare 2, donc très rapidement, je sais que j'avais dit quelques conneries dans ma vidéo avant, et je vais donc rectifier le tir. Warfare 2 en fait va être le projet principal. C'est-à-dire vous allez avoir Warfare 2. Et ensuite, de ce projet va découler UW4M. C'est-à-dire en fait que UW4M va être une branche de Warfare 2. Sachant que UW4M ne va pas disparaître. UW4M va rester là où il en est. Enfin, peut-être pour l'instant, je ne sais pas vraiment. Peut-être qu'il va encore y avoir voilà, quelques mises à jour. Mais après, ça va rester là où il en est. En fait, il est pratiquement fini. En ce qui concerne en fait Warfare 2, ça va devenir après le projet principal. Sachant que UW5M apparemment est pas en passe d'être amélioré, puisque un peu compliqué et autres. Warfare 2 donc va être en passe de devenir en fait, voilà, le prochain, vraiment le gros projet de NTA et de Fort Delta One, hein, tout simplement. En tout cas, voilà, je crois que c'est après la seule chose que je voulais dire à ce niveau-là pour rectifier le tir. Donc IW4M ne sera pas supprimé, on pourra toujours y jouer. Il y aura juste en fait les mêmes choses, je crois, sur Warfare 2 que sur SW4M. Sauf que ce sera bah, Warfare 2 sera encore plus poussé. Si j'ai bien compris, en tout cas. Très rapidement aussi, au passage, je vais peut-être aller voir d'ailleurs s'il y a peut-être une mise à jour de Warfare 2, je vais même pas essayer. Au passage, vous avez peut-être vu le topic Fort Delta One Planning Shutdown. Alors, à ce niveau-là,
Beaucoup m'ont demandé, enfin, m'ont dit, oh, Black Cube, je sais pas si t'as vu, c'est vrai que Delta One va faire. Merde, ça se lance, je veux pas que ça se lance. Ok. T'as peut-être vu, Delta One va fermer, etc. Et tout. Bon. Je crois pas avoir fait de vidéo dessus, hein, il me semble pas que c'était la dernière vidéo, c'était celle de PHP. C'est vrai que ce topic est apparu il y a à peu près maintenant, voilà, le 22 juillet. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va bientôt faire un mois. Que NTA a donc repris, comme on a pu voir, la production, enfin le développement plutôt de T5M. Donc moi je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle, simplement une bonne nouvelle pour ceux voilà, qui croyaient que ça allait fermer. Moi j'ai jamais vraiment cru, enfin quelque part je m'y attendais, mais après ça me faisait ni chaud ni froid dans le sens où je reste principalement en fait sur Fraud Delta One pour voilà pour suivre ce que fait NTA, pour jouer un petit peu. Voilà, des serveurs, etc. Même si maintenant je suis retourné sur Steam principalement pour jouer de la domination ou des matchs à mort, même si c'est vrai que Fraud Delta One le propose, mais il y a moins de serveurs. Et les serveurs sont toujours en 9 contre 9, ce qui me plaît un peu moins. Donc bref, ça c'est après, c'est ma vie, on va dire. Mais c'est vrai que Fraud Delta One donc, ne va pas fermer, je pense, en tout cas pas maintenant. Je me rappelle au temps d'AlterIWNet, il me semble, ou au début de Fraud Delta One, que NTA avait dit qu'il allait arrêter. Un truc du genre. Il me semble que c'est pas la première fois, en tout cas, que pas que je lis ça, mais que. Cette idée est revenue. Et donc en fait au final, bon, ça m'aurait pas étonné que ce soit pas un fake, mais un espèce de voilà de message de désespoir. Et peut-être qu'après, peut-être qu'il a repris confiance, je sais pas, peut-être qu'il a fait un break ou je sais pas. Si vous voulez un peu savoir pourquoi est-ce qu'il a dit ça, hein, vous pouvez très bien voir le Hello Community, bref, bon voilà, Hello, donc en gros il s'adresse à tout le monde. Vous savez, ils ouvrent sa deck, etc. Puis quand on voit la fin, c'est goodbye. Tu te dis, bon, voilà. Ça fout un peu les boules. Donc si je vais pas non plus tout vous traduire parce que là j'en aurai pour un petit bout de temps et je sais que j'ai pas tout compris dedans. Enfin j'ai compris quand même la très grosse partie, mais comme ça à froid, vous traduire ça comme ça à froid, ça serait peut-être pas super cool. Ce serait long et chiant. Donc vous lirez, mais en gros, voilà, Fraud Delta One lui faisait plus envie, la communauté le faisait chier dans le sens où il y a toujours des gamins qui venaient dire oh lol. Ma dernière version de IW4M marche pas, c'est quand que T5M sort, qu'est-ce qu'il y a d'autre, genre Warfare 2, j'aimerais bien y jouer et tout, ou alors tous les mecs qui disent envoyez-moi un crack, je comprends pas, ou même tous les posts qu'il y a à propos de T6M, alors que on s'est dit, répété et re-redit que Fraud Delta One n'a rien à voir avec T6M et que donc tous les topics relatant de ce sujet seront supprimés, mais il y en a quand même plein qui postent si vous voyez. Si vous passez sur les forums, parfois vous devriez le voir, mais il y en a énormément de joueurs qui postent. Et bon, voilà, peut-être que tout ça l'a exaspéré. Apparemment, d'après ce que j'ai lu, certaines personnes aussi ont dit qu'il n'était pas non plus spécialement stable dans sa vie, donc peut-être que voilà, ça a peut-être aussi influencé son choix ou autre. En tout cas, voilà. Donc, en ce qui concerne, donc voilà, Fraud Delta One ne va pas fermer pour l'instant, peut-être qu'ils vont fermer. Aussi une autre raison moi qui m'aurait un peu étonné de fermer parce que quand je voyais qu'ils disaient au revoir et que j'ai vu une semaine après en fait que les serveurs n'étaient toujours pas éteints, dans le sens où en général tu payes tes serveurs, tes serveurs, je sais pas, enfin tu les payes toujours à une date fixe, on va dire. Et il aurait pas dit ça, je crois pas qu'il aurait fait ce message-là quand même au début du paiement de ses serveurs. Je pense qu'il aurait fait plutôt vers la fin. Donc je m'attendais à ce que les serveurs soient éteints d'ici une semaine voire deux, parce qu'il n'aurait pas payé. Peut-être qu'il est payé genre peut-être tous les 6 mois. Enfin, je sais pas. Et bon, apparemment, ça n'a toujours pas été fermé. Donc bon. Vous inquiétez pas à propos de ça. De toute façon, si Fraud Delta One ferme, eh bien, il y aura peut-être d'autres projets. Sinon, s'il n'y a pas d'autres projets, bah, vous aurez tout simplement qu'à acheter les jeux. Sachant qu'MW2 n'est qu'à 20 € sur Steam, ce qui est vraiment très faible. MW3, vous pouvez l'avoir pareil à 20 € sur Steam, peut-être même encore à 10 sur d'autres sites. Black Ops 2, T6M, de toute façon, vous en foutez, parce que sachant qu'il va y avoir un Steam Check. Ceux qui n'ont pas les versions légales, et bah, ils vont se faire jarter. Voilà, donc en fait, au final, même si c'est vrai que T6M n'a rien à voir avec Fraud Delta One, pourquoi j'ai dit T6M? Je sais pas, j'ai tellement l'impression voilà, de lire tout le temps T6M Fraud Delta One que j'ai l'impression que ça fait partie d'eux. Mais c'est faux. Mais de toute façon, en tout cas, ce qui reste vrai, c'était le Steam Check. Enfin voilà, quand on voit un peu, bon, au final, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter pour l'instant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Une petite vidéo serait assez chiante assez de parlotte, mais j'ai pas vraiment de tuto à vous faire parce que j'ai regardé les mises à jour du client, il n'y a aucune mise à jour, enfin aucune mise à jour. La dernière mise à jour remonte donc à la R149 qui donc met à jour certaines choses, je sais même plus trop quoi. Bon,
simplement une nouvelle mise à jour qui, en fait, au final, voilà, a été faite il y a maintenant un mois. Donc bon, j'ai pas trop pour l'instant de sujets à vous faire comme vidéo. Si jamais vous avez des idées, dites-le moi. Sinon, bah, c'est pas grave, hein, je vais rester à en faire de temps en temps, pardon, pour vous tenir en courant. Et puis bah peut-être le faire le moins long possible, parce que là je trouve que ça commence à être assez chiant. Voilà, donc je vais arrêter maintenant. Je crois pas qu'il y en a beaucoup qui auraient suivi jusqu'à la fin. Je vais finir donc direct. Je vous souhaite à tous une bonne fin, une bonne continuation dans vos vacances. Travaillez bien si vous travaillez. Enfin, je veux dire, bonne chance si vous travaillez. Et puis bah, de toute façon, on se retrouvera d'ici quelques mois, jours, semaines, mois, années. On verra bien. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.